Le diagnostic, c'était quoi? Le projet de Roga-Roga est bon, la communication est mauvaise. Ça, c'est un. Deuxième chose, c'est là où je le rejoins. C'est-à-dire que quand tu écoutes, en fait, en gros, le Rumba, c'est là où aussi il était défaillant. C'est-à-dire que le reproche que les gens portaient à Roga-Roga, auprès de Roga-Roga, c'était que Roga-Roga, c'était un généristique. C'est un Werrason du Congo. Mais sauf que là, il vous a proposé, aujourd'hui, il a donné une réponse effective. Sauf que, il donne une réponse et il a peur donc de montrer le bébé. C'est comme cette femme qui était enceinte, qui a accouché, mais en fait, il ne veut pas montrer le bébé. Donc, on ne sait pas est-ce que c'est un garçon ou une fille. Mais on sait qu'il a accouché. Non, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'il soit fier. J'ai accouché, voici mon bébé, il est là, je vous demande d'écouter. Écoutez, je ne vous demande pas de l'aimer, d'écouter. Mais sauf qu'en gros, oui, la communication était beaucoup plus focalisée sur Nzungu, qui voulait en fait aujourd'hui peut-être relever. Et Célestelle l'a dit, c'est-à-dire que du niveau de Bokoko, venir proposer Nzungu qui doit effacer Bokoko, je pense que c'est très difficile. Sauf que il peut mettre en place cette communication où il va aller chercher les chefs-d'œuvre cachés et en même temps proposer que voici l'artiste que je suis, voici, j'ai écouté vos remarques. Je pense que c'est une réponse que j'écoute vos remarques. Vos remarques. J'écoute tous les reproches. J'ai pris en compte. Voici ce que je vous propose. Et oui, donc il faudra qu'il change de technique. Qui est derrière toi? Parce qu'en fait, c'est des gens qui pouvaient. Je vais te donner un exemple simple. Il y a une chanson de, je pense, c'était Fally, hein, de Formule 7, qui n'était jamais écoutée. Et je crois que dans sa réconciliation avec. Non, l'autre, la fille, comment ça s'appelle? Njora. Qui c'est Njora? Kissinger a fait juste une émission. Elle a écouté cette chanson. Elle a repris cette chanson. Elle a pleuré sur cette chanson. Le lendemain, les gens ont dit, mais c'est quoi ça? Allons-y d'abord, tentez. Et la chanson est venue quand même concurrencer Mayday ou encore De La Renta. Donc, tu te rends compte l'effet que ça fait? C'est-à-dire que trouver des bons communicants qui vont te faire aimer la musique. C'est pas... Et aujourd'hui, je pense que c'est ce qui manque. Aujourd'hui, il a la chance d'avoir en même temps, juste en face aussi, des chroniques. Je pense que après, on peut aussi toujours utiliser la communication, c'est aussi l'art de s'appuyer sur l'existant. Tu sais très bien que si je dis, bon voilà, je veux que vous fassiez la promotion de cette chanson, vous la faites passer, vous faites, et puis après, vous proposez, vous commentez. Bon, moi, derrière, voilà, je vous donne pour la promotion 50 euros, 100 euros. Je pense que s'il le fait pendant un mois, je te garantis que les gens vont commencer à aimer. Et en plus, c'est l'avantage qu'on a sur des styles comme YouTube, vous avez une émission qui reste. Donc, je peux l'écouter, réécouter. Donc, on peut utiliser, par exemple, la matinale avec Déco. On peut aller prendre notre ami, par exemple, donc des chaînes, tu vois, par exemple, aujourd'hui, bah après, toi, tu es fanatique, donc ce serait difficile d'être objectif, les balles. Donc, moi, je pense qu'il faut trouver des gens qui sont capables de prendre de la distance, de dire ce qui est bien, ce qui est mauvais, On et peut de. prendre Keto alors, Keto, Oui. de l'Afrique Illy TV. Ah, bah, voilà. Mais, Donc, après, excuse-moi, mais il y a aussi même des stratégies qui peuvent faire. Déjà, regarde le fait déjà, ces stratégies de live, là, les directs, quelquefois, il fait des concerts, des stratégies des jeunes en train de répéter. Mais il change maintenant de format. Oui, imagine que, excuse-moi de ravir la parole, imagine que, regarde, utilise exemple. Présentation de l'album Nzungu, c'est-à-dire un direct dans une salle, exemple à Radisson, des trucs comme ça, avec que des invités, que des invités, même avec ses poulains, même si ils vont faire, c'est-à-dire que ils font un live peut-être de 1 heure. Déjà, Nzungu compte que 25 minutes. Donc, tout l'album, ce n'est que 25 minutes. Donc, si vous faites un live de 1 heure du temps, vous couvrez tout l'album, vous allez faire passer des chansons et vous décortiquez des chansons avec peut-être un chat ouvert avec des gens excuse-moi poser Destin, la moi j'ai une question. question Oui. qui me vient à l'esprit Destin. J'ai comme l'impression que tu as un focus énorme sur le format du temps. Il y a quoi de C'est très. spécial? Il y a quoi de spécial? Non! C'est très spécial.
Notre cher Fatih a dit ça ici. Il y avait une chanson dans l'album de Fally que les gens n'écoutaient pas. L'album là, ça coûte, c'est 3h26 minutes. 3h26 minutes. Donc, même, c'est-à-dire même toi, si tu aimes l'artiste, pour consacrer 3 heures là, une journée, à écouter l'album, tu ne peux pas l'écouter en un coup comme ça. C'est difficile. Avec tout ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est-à-dire que c'est difficile de focaliser 3 heures du temps à une chose. Mais l'album, là, puisque c'est 25 minutes, si tu prends ta voiture ou tu rentres dans le transport en commun, tu vas au travail, avec mes écouteurs, je peux écouter tout l'album. En écoutant tout l'album, calmement, sans rien faire, sans avoir même interaction avec quelqu'un d'autre, c'est facile pour toi de bien sonder les chansons. Oui, à la maison aussi, tu peux l'écouter, même au réveil du matin, en mangeant, tu peux l'écouter. C'est pas pour rien, les formats, même dans les albums, dans les maisons de disques, ils utilisent d'abord le format, ils veulent voir d'abord ton album va faire comme le temps. Aujourd'hui, avec le numérique, c'est ouvert, les gens peuvent faire des chansons à 2 heures, en fait, des albums 2 heures du temps. Alors, avant, ce n'était pas possible, peut-être parce qu'il y avait des formats déjà CD qui peuvent que prendre 60 minutes ou 75 minutes, le plus grand. Donc, ça veut dire que tu peux que rester dans ce temps, dans ce laps de temps. C'est pour ça que le format est très important. Encore, dans les formats, il faut voir des chansons. Lorsque tu vas faire une chanson, ça veut dire que soit si tu fais des chansons de 7 minutes, tu es obligé de réduire ça, de faire la version radio. Pour que quand tu donnes la radio peut faire passer les 3 premières minutes. Mais si la chanson, exemple Toli, qui dure 3 minutes 26, même s'il va faire sortir, il va faire passer 3 minutes, c'est la totalité de la chanson. Donc la personne n'aura plus de doute. Il a écouté toute la chanson. Le format est très, très, très important dans le business. Levad, je... Alors, oui, juste pour ajouter sur ce que venait de dire Destin tout à l'heure. Levad, aujourd'hui, avec la vitesse des informations, avec le nombre de ce qu'on a absorbé par jour, les gens n'ont plus ce temps-là. Tu vas constater que même toi, si tu vas sur Facebook et quelqu'un a écrit un long texte, oui, on ne dit pas. tu ne vas pas lire. Voilà. Tu peux lire la première partie, après tu es fatigué. Écoute, on n'a plus le temps pour ça. On n'a plus le temps d'aller écouter une chanson comme La vie des hommes de Luambo qui va te prendre je ne sais pas combien de minutes en train d'écouter la même chose. On n'a plus le temps pour ça. Il n'y a pas le temps pour ça. Tu vois? Le fait que il y a différentes chansons que tu vas écouter en 25 minutes. 25 minutes, ça peut paraître long, mais puisqu'il y a beaucoup de chansons, donc au fur et à mesure, ça change. Tu vois, ça renouvelle un peu ta capacité de rétention. Et ça va faire que tu vas écouter les 25 minutes. Après, s'il y a une chanson qui te plaît, tu peux encore revenir Voilà. et tu as tout ce temps-là. Tu vois? Et juste pour ajouter sur ce que Destin et Arsène disaient, Aristide disait tout à l'heure sur... sur la communication. Bevan, il y a beaucoup de cas comme ça. Kofi Olomide, dans son album Civilisé, lui-même il le dit, je crois qu'il avait nommé l'album Civilisé, il a mis le paquet sur Civilisé, mais les gens ont aimé, je crois, Zéro Faute, si Oui, je ne me trompe pas. Et c'est ça. il le dit, et qu'est-ce qu'il a fait? Il était obligé, ça dépend aussi des producteurs, dans sa promotion. Dans ce qu'il disait, quand il jouait et faisait la promotion de l'album, il était obligé de mettre aussi le paquet sur ça parce qu'il a constaté que ça, c'est le choix des mélomanes. La même chose, quand Michael Jackson enregistre l'album Thriller, il a enregistré ça 2 fois. Il a fait ça avec Paul McCartney, ça n'a pas marché. Il a réécouté. Il a pris un groupe de gens, ils ont écouté. Il a vu que, parce que c'était un perfectionniste, hein, il a remarqué que c'était pas ça. Il est allé reproduire ça. Ils ont refait le truc. Et quand il a fait écouter aux gens, lui, il avait mis beaucoup plus de paquets sur Thriller. Mais demande-moi quoi, les mélomanes ont choisi Beat It. Pile, pile, tu te rappelles? Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de garder seulement la vidéo de Thriller que tu vois avec le loup-garou et tout,
Ben, ils ont aussitôt lancé aussi la vidéo de Beat It, là où il porte un jacket rouge. Ouais. Tu vois? Et ça cartonnait. Donc, comme Destin disait tout à l'heure, c'est pas trop tard. L'album vient de sortir. Tout semble aller dans le sens de ce que Destin vient de dire tout à l'heure. Mais il peut, avec son producteur, bien sûr, je ne sais pas pourquoi chez nous, on n'a pas ce goût-là de faire la promotion. Il devait être dans les médias. Il devait être en train de, parfois, avec nous ici, faire des Oui. interviews, parler des albums. On fait passer l'interview, l'extrait d'une chanson. Et il commente. Il essaie de donner sa vision, ce qu'il veut dire. Tout à l'heure, Arsène était obligé de jouer son rôle ou le rôle de son producteur, d'expliquer sa vision aux amis de l'autre côté. Mais c'est à lui de le faire. C'est ça. C'est à lui de le faire. Tu vois? Normalement, dans ce genre d'exercice, lui, il met la pression sur son producteur parce qu'il connaît son produit. Il met la pression sur son producteur de ce qu'il veut parce qu'il y va de son image. Et le producteur, puisque lui, il est là pour le lucre, donc il doit aussi mettre la pression pour Roga Roga, pour faire la promotion de la musique pour qu'il vende son produit. C'est ça, exact. Donc, il faut qu'il y ait cette espèce de tandem entre les deux pour pouvoir faire la promotion de l'album dans son ensemble. Tu vois? Quand on parle de Nzungu, oui, puisque nous sommes tous pour repartir encore à Bokoko qu'on ne peut pas s'en passer, Bokoko était un single, comme a dit Destin. Et quand Rogarora parle de Nzungu et qu'il y a Nzungu chanson, ben, ça renvoie tout le monde à cet esprit-là de penser que Nzungu aussi, c'est juste ce single-là que nous allons écouter comme on a écouté Bokoko. Donc c'est à lui, c'est pas tout le monde aujourd'hui qui a le temps d'aller chercher les albums pour voir ce qu'il y a dedans. Donc c'est à lui de faire aussi la promotion de ses autres bébés. C'est ça, exact. De C'est les ce qui présenter aux mélomanes pour dire non, non, mais il n'y a pas que Nzungu, mais à côté de Nzungu, il y a ses frères et sœurs qui sont là. Maintenant, nous, comme mélomanes, on a ce choix-là. Merci, Levan.